Quel est votre prénom ? Cassandra. Ça va, Cassandra ? Oui. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé ? Moi, j'aime bien le monde du geek. Et puis, j'aime les gens. Et puis, j'aime votre région, la Meuse, notamment. C'est pas très loin de Paris. Et puis, ça fait partie de moi. C'est-à-dire que j'aime être proche des gens. Et c'est vrai que je pense que ce genre d'animation, ce genre de présentation, d'animation, ça me permet d'être proche des gens, tout simplement. L'armure que j'ai faite, c'est pour, en fait, j'ai mon animal de compagnie, c'était un petit lapin et il est décédé il n'y a pas longtemps, donc je l'ai rendu hommage en faisant un personnage à son effigie. Et comme elle s'est battue jusqu'au bout, je l'ai interprété avec une armure, donc ce personnage me tient beaucoup à cœur. Mignon comme tout, son petit lapin, merci. Bonjour, je suis Aori Cosplay, je fais du cosplay depuis 2018, je suis originaire de Bar-le-Duc et je fais moi-même mes costumes. Qu'est-ce que vous avez préféré ? J'ai préféré monter sur la scène puisque du coup je suis ici en tant qu'invité d'honneur et jury du concours cosplay et j'aime beaucoup partager ma passion avec les gens. Je sais par expérience que c'est pas évident d'organiser un rendez-vous comme une convention parce que y a plein de petits trucs en dessous qu'on voit pas forcément, mais l'organisation, la sécurité, en plus il y a le Covid donc il faut faire davantage attention aujourd'hui. J'ai pas pris le masque là pour vous faire l'interview, mais j'ai quand même le masque avec moi parce que je vais le mettre après. Mais c'est vrai que c'est une vraie organisation qui n'est pas évidente. Je tiens à saluer M2M Organisation qui a assuré ce premier rendez-vous geek de l'année ici à Bar-le-Duc. Mais je peux quand même vous dire que c'est une vraie organisation et qui n'est pas évidente. C'est un vrai métier. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous trouvé les stands ? Je trouve qu'ils sont diversifiés. Il y a pas mal de goodies, il y a des artisans, il y a un peu de tout. Du coup, c'est plutôt agréable de pouvoir faire son petit tour. Qu'est-ce que vous avez préféré ? Ce que j'ai préféré, c'est les animations sur scène. Pour l'instant, bon, c'est vrai que le concours cosplay est que demain, mais du coup, les animations, on a un bon animateur qui nous permet de rythmer un peu la journée. Absolument à tout le monde, les enfants. Donc, c'est un rendez-vous très familial. Ce que je peux vous dire, c'est que celle-ci, elle a l'avantage d'être extrêmement populaire. Ça attire vraiment, comme je vous disais également tout à l'heure, de l'enfant aux parents, parce que vous avez vu les exposants, il y a absolument de tout. Il y a absolument de tout. Donc vous pouvez trouver aussi bien des porte-clés que vous pouvez trouver, ça n'a rien à voir avec le geek, mais des platines de disques ou de platines de 33 tours, comme vous pouvez trouver des jeux de vidéo, vous pouvez trouver de la Switch, vous pouvez trouver du Nintendo, vous pouvez trouver bien évidemment des personnages qui font les sagas, Star Wars, etc. Prévoyez-vous le faire chaque année ? Il me semble, j'espère, ce serait bien pour vous, pour les habitants de la région. Ça permet d'avoir une animation supplémentaire dans cette belle salle de spectacle qui est toute neuve d'ailleurs, qui date depuis un an. Mais je pense, vu le nombre de visiteurs aujourd'hui, de spectateurs, je pense que l'année prochaine, il y aura un deuxième numéro. Et ça me paraît logique, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça serait bien. C'était bien, ça vous a plu ? Ah oui. Parfait alors, on signe pour le deuxième rendez-vous. C'est ça.